Oh, Arkix. Arkix 2.6. Oui, Arkix, oui. Let's go. Arkix, cité champion. Appuie sur le champignon. Et yo tout le monde, c'est Lemontix, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vous reconnaissez les gars, il est de retour. Le deck Rocket Séisme, vous êtes des ouf. Vous êtes juste des grands malades. J'ai pas les mots, regardez-moi ça. J'ai vraiment pas les mots. Je vous ai demandé les gars 20... Non, non, je vous ai demandé pas 20 000 pouces bleus, je vous ai demandé 1000 pouces bleus en 24 heures. On est à 1700 pouces bleus. La vidéo a fait des vues de ouf. Vous avez surkiffé. En fait, vous aimez bien quand je joue cancer. Hein. C'est ça, je crois. Hein. Vous aimez vraiment bien quand je joue cancer. Mais en tout cas, gros merci, les gars. Et bah, comme promis, hein, je vous tourne un épisode juste avant la fin de la saison. Là, je vous tourne la vidéo après la deck sur les cochons royaux. Et il reste 1h35. On va essayer de se faire des petits games comme d'hab en ladder. Et on va essayer de kiffer ça. Toujours le même deck. Toujours le même deck. Ça bouge pas, n'hésitez pas, hein, si vous voulez acheter le pass royal, c'est début de saison encore, vous mettez le code créateur Lemonty dans la boutique avant d'acheter le pass, je précise bien évidemment. Ça marche aussi si vous achetez des gemmes ou des offres, vous inquiétez pas. Et aussi à vous abonner parce que, bah regardez, regardez les gars, regardez les screens que je vais vous mettre là. Vous êtes encore trop de non-abonnés à la chaîne les gars, bombardez, bombardez-moi ça. Tous les nouveaux, bah bienvenue à vous, merci de regarder la vidéo, merci de soutenir. Au quotidien, et nous on va lancer directement avec le same deck. De toute façon, maintenant vous connaissez le deck là, hein. Vous avez bien repéré ses cancers. On est reparti bien évidemment en ladder et on va essayer de se faire des petites victoires comme d'habitude. On espère pas croiser trop de cimetières, hop, parce que c'est un peu notre bête noire, mais sinon ça devrait plutôt bien se passer. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il va nous jouer en face? Qu'est-ce qu'il va nous jouer? Ah, on va jouer, hein. On va pas attendre le x2 non plus, on n'est pas suicide. Ah, il veut pas nous mettre une petite troupe à roquette là? Oh, allez, une petite troupe frérot. Fais-nous plaisir là. Ouais, non, mais Gagarou, c'est pas assez là. Il va falloir monter un petit peu les enchères. Hein. Oh, on me dit pas que c'est du golem pour commencer là. Ok, ça je prends. Quoique non, je vais pas prendre du tout parce que si jamais il me met un molos derrière, ça peut être compliqué en vrai. Ok, on va mettre un petit séisme je pense, hop. Regardez-moi ça, regardez les gars. Ah, on a... ça commence déjà très très bien les gars. Oh, ça me termine. Ce deck me tue déjà. Regardez la première game. On a déjà un match-up de fou furieux. Il va jamais pouvoir passer. Je crois que c'est le deck de Pompeyo. Si je dis pas de bêtises, c'est le deck de Pompeyo avec une boule de feu. Et on va encore mettre des grosses roquettes sur sa tour. Là, il s'est dit, il y a le séisme. C'est bon, il a mis un séisme dans le vide. Je vais mettre juste bah, un petit ballon au fond de map, tranquillou, tu vois. Mais non, frérot, c'est pas comme ça que ça marche ici. Ici, ça a mis des séismes dans le vide. Et rien d'autre, on va mettre une petite Tesla, je pense, pour gérer le dragon l'enfer. Hop là. Et ouais, qu'est-ce que tu vas faire de toute façon? Hein? Voilà, absolument rien, c'est bien ce que je pensais. J'aurais peut-être dû garder mon sorcier de glace, mais c'est pas trop grave. Voilà, on continue de cycler, on met des Tesla au pont. Voilà, et faut pas se prendre la tête les gars. Regardez l'élixir qu'il doit mettre. Juste pour gérer, mais. Il arrive même pas à tuer mes Tesla, les gars. Non, mais c'est scandaleux. Ah, j'ai pas trop envie de prendre les dégâts de mort. Hop. On va cycler le séisme. Bon, bah vas-y, hein. N'hésite pas à jouer des cartes. Non, mais là, c'est absolument impossible qu'il passe. Ballon cycle, je crois qu'ils peuvent vraiment se faire un café pour le coup, hein. Parce que je vois pas comment il peut faire quelque chose là. Là c'est... Peux... Non mais dites-vous les gars, regardez, je peux même envoyer des séismes sur tour du roi. J'en ai rien à faire. Hein.
Tellement je suis sûr de pouvoir défendre à chaque fois en fait. Alors, je vais peut-être me faire karma là-dessus. C'est possible. Hein. Un petit gel là. Oh. Oh. Bon, on va pas déconner non plus. Hein. On va commencer à mettre les 6 sur la tour quand même. Faut pas abuser. Ouais. Ok. En vrai, je pense que ça finit, non? Ouais, je pense que ça finit dans tous les cas. Hop là. GG ma gueule. Belle première game en tout cas. Ça fait plaisir. J'avais vraiment peur que ce soit Molo. Je pense que Molo c'est beaucoup plus difficile. Bah alors balancier avec. Je pense qu'on pouvait pas rêver mieux pour commencer cette vidéo. On commence en douceur avec une petite victoire des familles. Là, c'est même pas une question de deck troll ou quoi. Je pense que là, Tesla, sorcier de glace tornade, roquette. Il pouvait clairement rien faire. Allez, on attaque directement. La deuxième. Qu'est-ce qu'il peut nous jouer là? Oh, ok. J'aime bien, j'aime bien. De toute façon, on a une petite roquette. On n'avait pas la Tesla, autant roquette. On fait 6 pour 6 en plus, il avait mis l'esprit de soin derrière. J'espère que c'est pas le deck de Wotop. Parce que ce serait compliqué de gérer les machines volantes. Ou même les autres trucs qu'il peut y avoir dedans. Ok, ça c'est pas mal. On va prendre le séisme. Ça, ça défend. Hop. Ça aussi. Pêcheur. Attends, mais c'est quoi sa version? Ah, c'est pas. C'est une version assez rapide, je crois, avec le séisme. Hein. Il me semble que c'est un truc comme ça. Hein. Il me semble que c'est une version avec le séisme. Donc, faudrait que je me méfie avec mes Tesla. Là, j'avais pas la bûche, donc j'avais pas envie de partir Tesla bûche. Donc, je préférais mettre ma roquette. Mais ok, pourquoi pas, soit. Est-ce que j'activerai pas la tour du roi là? Je pense que si. Hein. On va activer la tour du roi dans le doute. Je sais pas pourquoi il a séisme là, mais. Ok. Petit séisme dans le vide. Du coup, là, ce coup-ci, on a la Tesla. Il faut vraiment qu'on fasse attention à l'esprit de soin. Qu'on bloque avec les squelettes si besoin. Voilà. Hop. Il est pas parti avec esprit de soin. Ok, bon, il y a un cochon qui a. On a un peu raté la Tesla, mais c'est pas trop grave, je pense. Parce que nous, on a la roquette de toute façon en x2. Et ça, ça va faire toute la différence, vous allez voir. Non, là, normalement, la tour qui devrait aider. Ok, non, pas du tout. On va partir sorcier de glace. Ouais, j'ai raté un peu ma bûche, j'aurais pu toucher la tour, mais c'est pas grave. Ça, on prend. Il a oublié, je crois, un petit peu qu'on jouait roquette. Hein. Je pense qu'il nous a un petit peu sous-estimé. Voilà, parfait. Oh, le sort de soin. Oh, j'aime pas ça. Oh, j'aime pas ça du tout. Ok, ok, ok. On prend pas mal de retard là quand même. On faudrait qu'on le force à jouer quelque chose. Ouais, je sais pas si c'est la meilleure défense, mais ça va être chaud, hein. Il va vite cycler. Ah, ça va être tellement dur. Ah ouais, non, c'est trop chaud. J'ai essayé de défendre sans roquette, mais c'est absolument trop chaud. GG à lui. GG à lui. Là, je vois pas comment je peux défendre en fait sans la roquette à chaque fois. Dommage. Bien joué, frérot. On aura essayé, hein, même avec la tour du roi.
On va laisser prendre la tour, de toute façon le séisme est fini. Peut-être défendre Rocket à chaque fois du coup, mais dans tous les cas il aurait cyclé plus vite. On aurait pu faire ça, ouais. Je pense que j'aurais dû Rocket plus souvent en défense, j'ai été un peu trop agressif sur les Rockets sur sa tour. Mais c'est pas trop grave. En soi, je pense qu'il y avait largement moyen de mieux faire pour moi. Alors... Toujours pas Dark X à l'horizon. J'aimerais vraiment bien en croiser. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'il va nous faire là? C'est du cimetière? Non, pas du cimetière. Déjà là? Ok, c'est pas du cimetière normalement. Ça ressemble à du géant royal. Bah, du coup, je sais pas si j'aurais dû mettre ma Tesla comme ça. Ouais, c'était peut-être pas l'idée la plus smart du monde. Ouais, bah j'ai hésité comme d'hab. Bah ouais, mais vraiment la pire requête là. Attends, mais pourquoi il a un bourreau aussi? Mais pourquoi? Ça n'a aucun sens. Pourquoi il y avait un bourreau dans le deck? Là, il y a un bourreau cap. Non, mais bourreau, ballon, cabane. Ouais. Pourquoi pas, hein. Il y en a, ils ont vraiment des idées farfelues. Hein. Celle-là, c'est le baladeur, de toute façon. Le zoo, comme on l'appelle. On se prépare à Rocket, évidemment. Le bourreau. S'il nous le met. Enfin, je vais bûcher les barbares et la cabane. Et on va se mettre la Tesla au middle. Hop. On se méfie, hein. Il pourrait nous sortir un cimetière. Hein. Maintenant, je m'attends à tout. Hein. Très clairement. Ça va Rocket à chaque fois. Je pense pas qu'il ait de gros sort. Ah si, il a une boule de feu. Mais dans tous les cas, il pourra pas trop boule de feu dans le vide. Donc nous, on va pouvoir séisme à chaque fois. Hop. On a juste à assurer la défense d'abord. À la limite, gratter un petit peu à la bûche, pardon. Hop. Et derrière, on va full séisme sur ces cabanes barbares. Surtout s'il continue de nous donner de la value. Nice. Merci, frérot. Hop. Bon, là, je joue safe. Hein. J'ai pas envie de faire la même connerie que tout à l'heure. Merde. Ouais, les deux coups de barbare qui étaient pas nécessaires là sur la tour. Bon, ça, on va Rocket. Bon, je pense qu'on peut se permettre de partir de l'autre côté dans tous les cas. Hein. C'est pas trop grave. Hop là, bonne chance pour passer. Là, on devrait toucher les deux si j'ai pas fait de la merde. Voilà, parfait. On prépare la tornade au cas où il nous sort un gel de l'espace. Ah ouais, mais ça c'est problématique ça du coup. Ouais. On a pris un aller-retour sur la tour ou je rêve là? Je crois qu'on a pris un aller-retour, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Après la pile de feu, la pile là, ah ouais, on va pouvoir tellement cycler là, on va se faire plaisir. Hein. Hop là, et ça cycle. Regardez le cycle qu'on lui met. Hein. C'est
C'est honteux. Hein. Je tiens juste à dire que c'est honteux quand même. Non, 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 ça aussi c'est honteux. GG. Eh B. Pas facile, hein. Pas fastoche. On a fait. C'est le bourreau en fait. Il m'empêchait vraiment de rocket sa tour. Je pense qu'on aurait pu rocket sa queue plus tôt s'il n'y avait pas eu le bourreau en face. Son deck ultra chelou en bas, en face, mais pourquoi pas. S'il y en a qui veulent des decks non méta, hein, servez-vous. Hein. Faites-vous plaisir. En soi, bah, ça ressemble un peu au. Non, ça n'a ouais, rien à voir. C'est un peu du Balloon Cycle, mais version cabane de barbare. Pourquoi pas. Why not. Mais on aimerait bien autre chose que du ballon quand même. Alors, bonne chance. Ok, ça s'ébuche. Oh, du cochon. Après, du ballon bourreau, peut-être du cochon bourreau. Ouais, bah, j'ai pas le choix que Tesla là. Ok, oui, ils partent avec autre chose. Dans tous les cas, ça nous empêchera pas d'activer la tour du roi, je pense. Hop. Parce que la Tesla va pas sortir, de toute façon, on va regarder. Hop, c'est pas magnifique ça. Est-ce que c'est pas magnifique? Moi, je crois que si. Attends, parce qu'il a joué Gobelin et Fantôme. C'est quoi ce truc encore? Je sais pas si la roquette c'était une bonne idée. Bon, dans tous les cas, j'ai récupéré ma Tesla normalement. Attends, c'était quoi qu'on avait défendu le fantôme? Ah si, ouais, ça se tient. Est-ce qu'il a un sort de séisme? Bon voilà, l'activation de tour du roi qui nous met plutôt bien là. Oh la défense, là. Par contre la défense était archi clean là. Là, vous avez rien à me dire. Parfait, on a gardé le cheval exprès pour ça. On prépare la tornade même si normalement il a pas de... Ah, je crois qu'il a deviné un petit peu ce qui allait se passer. Vous pensez qu'il a deviné ou pas? Est-ce qu'il a deviné? Après il a une boule de feu. Mais quand même. Ok, on va cycle. Je pense qu'on peut roquette dans tous les cas les cochons derrière. Ce qui peut être un peu chiant, c'est s'il les met au milieu. Ok, tant qu'il me les met du même côté, ça devrait aller les cochons. Bon, même si on en a raté un, ça devrait le faire. Là, il va sûrement MK, c'est pour ça que je vais mettre la Tesla direct. Ok, il a pas MK, yes. J'ai vraiment un problème là. Il y a des problèmes de visée de roquette là. C'est... Faut que j'aille voir un opticien, c'est pas possible. Hein. Déjà, je sais même pas si la roquette était nécessaire. Mais... Non, me dis pas que j'en ai encore raté là. Ah bah quand même. Ok. Bon, normalement on devrait rattraper le retard hein, avec, avec le séisme. Attention à pas être trop gourmand non plus. Je pense que ça peut être pas mal si on défend sans... Ah yes. J'allais dire sans défense à la roquette ça peut être pas mal mais ça va être compliqué du coup. Hein. Ah quoique. Est-ce qu'il aurait pas donné une frime là?
Ok, une première requête. Va falloir en cycler une deuxième pour la défense. Là, c'est chaud de ouf, hein. Ok, ça passe, tranquille. Bon, heureusement, en vrai, je pense que j'aurais pu requête plus tôt sur sa tour. Mais je voulais assurer le coup. Là, vu qu'il avait déjà joué sa boule de feu, je savais que si je prenais 0 dégâts, ça passait. Et du coup, on va la gagner tranquille. Enfin, tranquille, oui, non, tout est relatif, quoi. Et on va finir... non, on n'aura pas fini la banque. Hein. Bon, au moins, on aura fini une passe, oui, ça, c'est sûr. C'est une certitude. Allez, là, on pousse. On pousse encore. On est à combien? On est à 3 victoires, 1 défaite, je crois. Est-ce qu'on peut aller chercher une 4e victoire, peut-être? Peut-être, alors. On va bien voir, les frérots. Si on peut aller chercher un truc. Oh, Arkix. Arkix au 2.6. Oui, Arkix, oui. Let's go. Arkix, si t'es champion. Appuie sur le champignon. Camus. Encore? Ah ouais, mais c'est scandaleux, en fait. Bon, on n'a plus trop d'Elex, mais on a la requête de toute façon, donc il pourra absolument rien faire. Bon, on n'a pas le droit de la perdre. On a croisé Arkix, là, on n'a pas le droit de la perdre. En plus, il n'a pas la requête, il va devoir cycler des boules de feu, et là, autant vous dire qu'on va être beaucoup plus rapide que lui. Vas-y, cycle, hein. Cycle, mon petit frère. Hop. Mon petit frérito. Mets-toi bien. Yes, le bon sorcier de glace, ça fait toujours plaisir. Ok. Ah mais il y a trop de cartes qui... Il fait trop mal, en fait. Bon, bah, on va mettre une Tesla ici, hein. Histoire de vraiment, on en a rien à faire, on lui montre, hein. On lui montre c'est qui le patron. Qui est le patron, pardon. Ok, parfait. Est-ce qu'on pourrait pas pré-shot les petits squelettes, peut-être? Et le coup de torse de glace, nickel. La Tesla à gauche qui a servi à rien, mais c'est pas grave, dans tous les cas on peut ajouter une requête. Non, là franchement on est ultra bien. S'il nous met une Tesla au pont, on peut toujours la séisme. Ok, parfait. Hop là. C'est la petite surprise. Je sais pas s'il pense qu'on joue Géant Royal, mais je pense pas qu'il s'attendait à la requête, très clairement. Ah, essaye de nous outcycle, j'ai le séisme dans tous les cas. Quand c'est pas un, c'est l'autre. Essaye, il a pas l'air de l'avoir bien compris, je crois. Ouais, bah vas-y, donne-moi de la value, hein. Donnez-moi de la value. Hop là. Là je pense qu'il est un petit peu en PLS. Là il peut pas Arkix défensif. Il peut pas Arkix offensif. Il peut désinstaller le jeu. Ça c'est une possibilité par contre. Je l'autorise en vrai. En vrai s'il veut désinstaller ça peut être pas mal, ouais. Là il y a moyen de faire un truc là. Ok, petit chevalier, au calme, hop, petite roquette, au calme. On envoie une roquette sur la tour ou quoi? Oh, vas-y, on va pas prendre de risque. J'ai pas envie de la troll. Hop là. Il peut tellement rien faire. Ça m'affaiblit. Le fait qu'il puisse rien faire comme ça, ça... Oh, attention quand même. Hein. Attention quand même. Hein.
Bien joué ça. J'aurais dû mettre une tornade en pré-shot. Si vous voulez des tutos les gars, hein, appelez-moi. Hein. Mais je vais ouvrir une ligne téléphonique, je vais appeler ça SOS Arkick, je pense. Ça vous va comme concept? SOS Arkick. SOS Arkick. Non, bah ouais. Enfin ouais, non, j'allais dire SOS Arkick à détresse, mais on s'en fout des Arkick. Calme. Oh no! Oh, si j'ai la peur sur ça. Non, c'est bon. Et GG, mon gars! GG, GG! Wouh! Wouh, 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 wouh! Bon, bah, ça fait plaisir. On n'en avait pas croisé dans l'épisode 1. On en croise dans l'épisode 2. Je pense qu'on va s'arrêter là. Pour aujourd'hui en tout cas, j'espère que vous avez kiffé l'épisode 2. Moi, toujours un plaisir. Franchement, on s'est encore tapé des grosses barres dans cet épisode, que ce soit contre le Ballon Cycle ou contre l'Arkix. Franchement, essayez le deck là. D'habitude les decks trolls, je vous les recommande pas. Là pour le coup, allez vous amuser hein. Franchement, si vous connaissez un petit peu les défenses aux sorciers tornades, vous maîtrisez un petit peu le jeu, il y a moyen de bien s'amuser. À voir avec la nouvelle mise à jour. Mais en tout cas, j'espère qu'il vous a plu. Gros merci en tout cas du soutien sur la première vidéo. Ça vous a chauffé de ouf. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Bienvenue à tous les nouveaux. Merci à tous ceux qui mettent des pouces bleus, qui partagent. La chaîne est en train de bien monter. Ça fait plaisir. Et puis on se dit à la prochaine. Les gars, à la prochaine. Pas troisième épisode. On va. Toute bonne chose à être une fin. Mais le concept m'a bien plu. Donc attention. Attention, peut-être on refera le concept avec un autre deck. Ah. Ah. Demi-pouce bleu, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Ouais, vous avez rien entendu. J'ai rien entendu. Hop là, peut-être qu'on fera le même concept avec un autre deck, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était le Monty. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Calme. La petite danse de l'Arkix.